Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Merci énormément pour tous les commentaires que vous m'avez envoyés. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur de recevoir vos messages. Merci beaucoup. C'est très important pour moi d'être comprise là-dessus, c'est-à-dire que vous m'apportez énormément. Et donc c'est pour ça que je remercie à chaque fois les personnes qui me consultent pour exprimer toute ma gratitude parce que ce qui est important pour moi, c'est de faire les choses avec cœur et je suis très heureuse lorsque cela est ressenti par l'autre. Eh bien, je vais faire un tirage aujourd'hui sur quelle est ta prochaine mission qui pourrait s'apparenter à quel est le prochain chapitre de ta vie. Qu'est-ce qui va changer pour toi? Mais restons sûrs, quelle est ta prochaine mission? Alors, ok, on va prendre les maîtres ascensionnés pour cela. Donc voilà. Et nous allons prendre donc trois cartes pour que vous puissiez choisir. Ok, et une troisième. Ok, très bien. Alors, attendez, parce que il faut que je prenne la seconde carte qui est là. Ok. Quelle est ta prochaine mission? En choix numéro 1, vous avez détachez-vous du drame avec Pallas Athéna. En choix numéro 2, utilisez votre magie avec Maître Saint-Germain. Et en choix numéro 3, oui, avec Ganesh. Je vous retrouve pour le choix numéro 1, mes chères belles âmes. À tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes, eh bien nous nous voyons aujourd'hui pour le premier tirage, détachez-vous du drame pour voir quelle est votre prochaine mission. Nous allons voir cela directement avec les archétypes. Alors, quelle est votre prochaine mission? Et vous avez choisi détachez-vous du drame avec Pallas Athéna. Alors, on va prendre ça. Quelle est votre prochaine mission, mes chères belles âmes? Alors, j'ai les poils de mon chat qui me gratte. Alors, celle-ci. C'est intéressant. On va aussi utiliser la lune. Quelle est votre prochaine mission? On va prendre l'oracle bleu.
On me dit que cette carte détachez-vous du drame, c'est que vous avez tout fait pour vous détacher du drame et que pour une partie d'entre vous, en fait, ça revient à ne pas prendre de décision et soit se laisser conduire, soit se laisser faire, soit se laisser diriger pour justement ne pas solliciter de conflit. Comme si maintenir le groupe, maintenir la famille, maintenir le clan, maintenir la communauté ensemble était la chose la plus importante. On me montre, alors c'est marrant, on me montre la dichotomie entre la France et le Japon. La France qui est un pays individualiste et le Japon qui est un pays plutôt très communautaire. Et donc chez vous, c'est comme s'il y avait cette mémoire-là, un peu comme le Japon ou certains pays d'Asie où effectivement, le groupe est plus important que l'individu. Et donc, faire perdurer le groupe, c'est justement ne pas être en conflit et maintenir la paix entre les uns et les autres. Et donc, vous vous détachez du drame. Vous, si vous avez une épée, c'est toujours vers le bas, c'est pas vers le haut. Et ce qui est franchement intéressant, c'est que en première carte, vous avez Knight. Le knight, c'est le chevalier. Hein. Donc, c'est la loyauté, la romance, la chevalerie, c'est l'amour de l'honneur. Donc, c'est quelqu'un de droit, de majestueux, de chevaleresque. Mais le chevalier, le cavalier, il est là aussi pour servir. Et justement aussi combattre. Et on vous dit que dans votre prochaine mission, c'est aussi de prendre des décisions, de pouvoir trancher, de pouvoir exécuter des choses. Et donc, après avoir appris à mettre des rondeurs, vous allez apprendre dans votre prochaine mission, au contraire, à faire. À prendre des décisions, à trancher, à y aller. Et c'est pour cela qu'on vous dit, ose faire le premier pas. Cela doit venir de toi. Et c'est comme cela que tu vas aller vers ta prochaine mission. Alors, l'oracle bleu, on me dit de la garder pour le moment et de vous la donner plus tard. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc, on va prendre l'oracle de la sagesse. On va prendre deux cartes de l'oracle de la sagesse. Alors, quelle est votre prochaine mission? Donc, c'est un petit peu, on ferme un petit peu la boucle. Hein. Après avoir appris d'un côté, vous allez apprendre de l'autre côté. Hein, c'est comme si vous alliez de l'autre côté du miroir, vous voyez? Et en expérimentant ces deux choses-là, eh bien, ça vous donne le panel. On vous demande d'aller vers le bord. Donc, du coup, oser. C'est oser, vous risquez à oser sauter dans le vide. Oser voir d'autres perspectives. Osez voir autrement, osez aussi vous surprendre, parce que ça, ça manque aussi. Osez vous surprendre. Parce que, alors on me dit, oui, dans votre enfance, il y a certainement eu des conflits et que vous ne voulez pas qu'il y ait du drame, qu'il y ait du chaos, etc., etc. Et vous avez tout fait justement pour faire perdurer la paix. Alors, c'est important de pouvoir faire cela, mais c'est aussi important de pouvoir acter, c'est aussi important de pouvoir dire non, c'est aussi important d'avoir un conflit qui est parfois nécessaire pour remettre les choses d'équerre. Mettre les choses d'équerre, c'est pas forcément se sacrifier, ne pas prendre de décisions et se laisser faire, conduire, diriger par l'autre ou par l'organisme, par le système, par la société ou quoi que ce soit. Il y a vraiment la nécessité d'avoir les deux. Et donc là, c'est pour ça qu'on vous invite d'aller vers le bord. Et tant que vous ne le faites pas, parce que cette carte est à l'envers, tant que vous ne le faites pas, eh bien,
Cette mission, cette prochaine mission ne peut pas s'enclencher parce que ça demande chez vous de faire le premier pas, quel qu'il soit, hein, que ce soit professionnel, personnel, familial ou quoi, c'est important. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir aller vers une nouvelle vie, une nouvelle donne, une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique que vous n'avez pas eue jusque-là, ou alors au prix d'un coup de tête, au prix de... comment dire, au prix de quelque chose qui vous arrive comme ça sur la tête, mais sans crier gare, vous voyez. Mais là, on vous demande d'oser faire le pas, c'est-à-dire d'être dans l'action, d'œuvrer activement, et pas parce qu'on vous a demandé de le faire, non. Vous osez faire le premier pas pour aller vers votre nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, si vous l'acceptez, donc votre nouvelle mission, c'est d'instaurer un cocon en lien avec la matrice. Alors ça peut être créer, fonder une famille, ça peut être créer un projet où vous êtes le PDG, le CEO de la boîte, où vous êtes entrepreneur, où vous osez sortir du rang, par exemple. Ouvrir un resto, par exemple. Devenir chef. Enfin, vous voyez, c'est vraiment quelque chose en lien avec la matrice, en lien avec le cocon, en lien avec quelque chose de doux, en lien avec la nourriture, ça peut être la déco. Ça peut être acheter une maison, ça peut être partir de là où vous êtes, de votre pays, pour créer un nouveau cocon, mais ailleurs. Voilà, ça peut prendre plein de formes. No peace like home. Et pour certains d'entre vous, c'est vraiment en lien avec le fait de partir. D'aller vers un autre horizon, une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir, parce que regardez cette maison, elle est en l'air, donc c'est comme si on vous demandait d'attraper un nuage pour aller dans ce cocon et créer quelque chose, voyez, il y a vraiment cet ordre-là. Donc c'est en faisant le premier pas que les choses peuvent s'enclencher pour votre nouvelle vie, donc c'est peut-être en lien avec tout ce que je vous ai dit, un nouveau travail, c'est-à-dire oser faire le premier pas pour avoir un second travail, pour vous lancer, une nouvelle activité, une nouvelle boîte, une nouvelle maison, enfin bon, vous voyez, d'accord? Ok. Alors, on va continuer avec le prisme oracle. Une carte, s'il vous plaît. Ok, c'est celle-ci. Elle a bien sauté. Et de cette façon, vous allez trouver l'amour. L'amour de ce que vous faites. Ou entrer en amour avec quelqu'un. Entrer en amour avec une nouvelle famille, une famille d'âme. La rencontre, du coup, éventuelle de l'âme sœur. Ou ça peut être des frères d'âme. Ou des sœurs d'âme aussi. Ouais. Il y a quelque chose en lien avec une construction. Construire quelque chose avec le monde minéral. Parce que dans le monde minéral, quand vous bâtissez quelque chose, ça vient du monde minéral. Par exemple, le béton. Je vois du béton. Je vois de la pierre. Je vois de la mosaïque. Et toutes ces choses-là. Donc il y a une construction quelque part. Hein. Donc, construction familiale, construction amoureuse, c'est l'amour. Ces deux cartes sont à l'envers. Donc, cela veut dire, comme cette carte est à l'endroit, c'est que vous allez retrouver aussi l'amour de vous-même en faisant ce premier pas. Donc, c'est comme si tout était ouvert, en fait, pour vous, à partir du moment où vous osez faire le premier pas. Et c'est la chose la plus difficile, parce que c'est vrai que, par exemple, imaginons... ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de sport, et puis bon, c'est le premier pas qui compte, après c'est bon, mais
C'est ce premier pas qui est dur. On se dit, oh là là, il faut que je fasse du sport, non, 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 mais patati patati patata, mais j'ai pas le temps, mais j'ai pas envie, demain, non, non, non. Et on ne le fait pas, on ne le fait pas, et puis ça dure des plombes, voyez? Mais à la clé, vous avez l'amour. Donc ce sera quelque chose où vous ne vous sentirez plus brimé, vous ne vous sentirez plus isolé et seul et incompris. Vous allez du coup aller à la rencontre de personnes nouvelles. C'est ça votre mission. C'est vraiment. Alors on me parle de communauté. Vous allez instaurer une communauté où vous allez entrer dans une communauté où vous vous sentirez bien. Ce sera une nouvelle famille. Vous allez rencontrer votre famille d'âme. Vous allez rencontrer vos âmes sœurs. Vous allez rencontrer vos frères d'âme, vos sœurs d'âme. Et vous ne serez plus seul et vous serez compris, comprise. Donc ça va changer les choses. Mais. C'est vraiment en instaurant cette carte du chevalier, c'est-à-dire du cavalier, c'est-à-dire de trancher, de faire, de décider. Et c'est ça qui est important. Parce que vous vous êtes tellement, tellement, tellement habitué à dire oui, ça ne me dérange pas, mais bien sûr, si tu veux, il n'y a pas de souci, etc., etc., que du coup, où est passé votre champ d'action véritable? On me dit, ta prochaine mission, c'est de reprendre les rênes de ta vie et ne plus subir et ne plus te conforter et aller vers qui tu es, c'est-à-dire que tu es un être d'amour et qui est là pour donner et recevoir. C'est pour cela que tu t'es incarné. Et tu as recherché toute la vie cela, mais tu attendais que les choses viennent à toi. Non, c'est à toi d'aller vers les autres. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir aller dans le donner et le recevoir. Parce que l'amour, c'est cela. Tu brilles, tu envoies de l'amour et tu reçois de la même façon. Et tu es nourri de l'amour. C'est magnifique. Et c'est comme cela aussi que tu vas pouvoir travailler sur le chakra. Du plexus solaire qui est en lien avec l'affirmation de soi, qui est en lien avec être avec les autres et pour autant exister aussi par soi. Voilà mes chères belles âmes, ça a été un grand plaisir de faire cette guidance pour vous et puis moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. S'il vous plaît, avant de prendre rendez-vous avec moi, allez voir d'abord mon site où vous trouverez toutes les informations sur les différentes consultations que je donne, la lecture de l'âme, la lecture des mémoires du corps, les consultations akashiques, la communication animale. Voilà, vous verrez tout cela. Et puis sinon, je fais également des vidéos sur les enseignements spirituels que vous trouverez sur mon Patreon. Pareil, tout est en description en dessous de la vidéo. Il est possible éventuellement de me faire un don si vous le souhaitez. Et puis voilà, sinon j'ai Facebook, j'ai Instagram. Alors non, je ne suis pas sur TikTok. J'ai Instagram, Facebook et je pense que c'est largement suffisant. Je ne veux pas devenir une TikTokeuse professionnelle à faire plein de vidéos, machin et tout ça. C'est pas trop mon kiff, je dois vous avouer. Donc voilà, je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes et puis je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage de quelle est votre prochaine mission. Vous avez choisi utiliser votre magie avec le maître Saint-Germain et regardez comment ça scintille, c'est assez incroyable. Alors, on va prendre deux cartes de l'oracle de l'amour. Merci beaucoup à une des à une des personnes parce que je savais plus comment ça s'appelait et vous m'aviez dit, je crois que c'est l'oracle de l'amour. Alors, nous allons voir cela. Quelle est votre prochaine mission? Quelle est votre prochaine mission? Alors, ok, paf. Et puis, on va prendre aussi ça. C'est en lien avec les énergies de la lune. Alors, une carte, s'il vous plaît. C'est celle-ci, d'accord. Et on va prendre aussi les maîtres ascensionnés. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, d'accord. Bon.
Alors, quelle est votre prochaine mission? Il y a quelque chose en lien avec les enfants, mais cette carte est retournée, comme si vous vous étiez condamné à ne pas en avoir, comme si vous n'en aviez jamais eu envie, mais qu'il y a quelque chose qui est en train de poindre, comme quelque chose qui est encore dans le subconscient, comme si vous vous réveilliez petit à petit dans l'envie d'avoir des enfants, ou de construire quelque chose avec des enfants. Et cette carte est à l'envers, comme si vous vous étiez condamné, comme si vous aviez oublié, comme si vous vous étiez vraiment focusé sur vous. Ou c'est peut-être aussi une façon de se condamner en essayant d'avoir des enfants depuis tant de temps et que ça n'arrive pas et que donc vous vous dites ben c'est pas pour moi ou alors je passe à la relation suivante parce que l'autre ne veut pas ou vous voyez il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là avec les enfants. Ça peut être éventuellement quelque chose en lien avec votre enfant intérieur également. D'accord? Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, mais il y a vraiment quelque chose, une influence par rapport à l'enfant. Pour beaucoup d'entre vous, votre prochaine mission peut-être c'est soit de travailler avec les enfants, soit d'avoir des enfants, construire une famille par exemple. Et on vous dit il est temps d'agir. Alors cela veut dire quoi? Agir en vous mettant dans un état d'esprit où ce que vous pensiez ne pas être possible est possible. Car tout est possible, car tu es un être illimité. Alors prends l'énergie du bélier avec toi pour agir dans ce sens et changer cet état d'esprit qui est limitant. Et c'est comme cela que, grâce à Lakshmi, tu vas accéder à ce vent de prospérité et on me parle aussi de fécondité. Donc, pour certaines personnes qui attendaient un enfant, etc., c'est vraiment, il peut y avoir un vent favorable pour cela, mais il est nécessaire de travailler sur votre état d'esprit, car c'est comme si vous vous étiez encrassé de pensées qui sont liées non seulement à vous, votre culpabilité, par exemple, de ne pas avoir d'enfant, mais également par rapport à l'esprit castrateur ou lié à des reproches de la part de votre famille, de votre entourage, mais c'est parce que ceci, c'est parce que cela, que t'as pas ci, que t'as pas ça, mais soit moins ceci, soit plus cela, t'es trop stressé. Toutes ces injonctions, en fait, qui ne fait que vous couper de ce vent de prospérité et de fécondité. Vous avez besoin d'être dans un endroit sain et pour pouvoir changer d'état d'esprit de façon saine. Ouh, ok, alors. On va voir avec le soleil radiant si on a des informations un peu plus éclairées là-dessus. Donc prenez vraiment comment ça résonne pour vous, hein, parce que peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, oui, vous avez envie d'avoir des enfants, pour d'autres, ça n'a rien à voir, c'est encore autre chose. Donc par rapport à tout ce que je vous ai cité, voyez ce qui résonne pour vous. Je vais chercher la carte qui est tombée. Et on m'indique que cela va arriver comme un cheveu sur la soupe, les amis, hein. Cesse de te conformer aux autres. Cesse d'écouter tout le temps les autres. Et sois acteur de ton originalité, de ta façon d'être, de ta sensibilité, de la façon dont tu ressens les choses, parce que ce que tu ressens, en fait, n'est pas forcément en lien avec ce que les autres ressentent, car tu es un être unique, original, fantasque, rebelle, tu n'es pas comme tout le monde et tu ne seras jamais comme tout le monde. Alors, sois toi-même, c'est-à-dire original. C'est cela qui va te détendre, c'est d'accepter cette part de toi qui n'est pas conventionnelle, qui n'est pas comme tout le monde, qui ne veut pas être comme tout le monde. Pourquoi? Parce que tu pourras utiliser ta magie. Et alors, quand tu vas utiliser ta magie, tu seras vraiment original et tu seras vraiment pas comme tout le monde.
Alors, j'ai la carte de l'organisation. Donc, ça, c'est vraiment par rapport au mindset, parce que vous avez le chiffre 10 et qui revient au chiffre 1 en numérologie, qui est le commencement. Donc, il y a vraiment la nécessité, vous voyez, il est temps d'agir, il y a la nécessité de changer ton mindset, ton état d'esprit, afin que tu puisses t'organiser mentalement, physiquement et concrètement dans la matière, pour ne plus te faire ternir par les autres, mais écouter ta propre guidance afin de t'organiser telle une vierge. Je vois le signe de la vierge. Telle une vierge qui sait s'organiser pour ne pas se laisser distiller par l'environnement, ne pas se laisser disperser par l'environnement. Alors, distiller, pourquoi ce mot? Parce que parfois il y a une fuite au travers de l'alcool. Alors, ça peut être au niveau de votre entourage, ça peut être vous-même, ça peut être la famille. Vous voyez ce qui vous parle, d'accord? Et encore une fois, vous avez ça. Hein, vous avez le blé qui appelle à la prospérité. La richesse, l'abondance, etc. Donc, plus vous allez vous organiser dans votre mindset et énergétiquement et dans la matière, et plus vous allez pouvoir accéder à votre magie. Votre magie, elle réside dans votre enfant intérieur. C'est vraiment de vous regrouper avec votre enfant intérieur ou avec les enfants que vous voyez. Si jamais vous êtes en couple et que vous êtes une famille composée ou que vous souhaitez avoir des enfants, etc., etc. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu jusqu'à présent, c'est une grande manipulation de votre entourage. Cette carte est à l'envers. Donc, vous n'en êtes pas consciente ou pas assez. Vous avez été énormément manipulée. C'est-à-dire qu'on a essayé de vous manipuler comme un pantin. Ah, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ce serait mieux pour toi, patati patata. Et vous, pour reprendre vos rênes, les rênes de votre vie, c'est vraiment d'accéder à votre originalité pour pouvoir accéder à votre magie et du coup faire comme ce que bon vous semble, ce qui vous semble juste. Parce que tant que vous écoutez l'environnement, ah, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu sais, moi si j'étais à ta place, mais tu sais, moi je te connais, hein, franchement, moi je pense que tu devrais faire ça. Tout cela, c'est du bavardage. Et tout cela ne vous permet pas d'accéder à votre propre magie, mais au contraire à l'éteindre. Ok, on va prendre l'oracle bleu. Alors, si on évite de les prendre, on va les prendre. Bon, alors c'est pas pour rien, hein. Il y a vraiment j'allais dire la digestion. Oui, il y a digérer l'info, mais ça parle de gestation, donc c'est pas pour rien. La gestation, donc si vous souhaitez des enfants, etc., il y a une forme de gestation, mais ça peut être aussi un projet, hein, la naissance d'un projet, hein. Enfanter quelque chose. Et vous voyez, en fait, votre bras droit est couvert. Et c'est comme s'il y avait une partie cachée. Et en fait, tant que vous n'actionnez pas, eh bien, on va l'actionner pour vous. C'est-à-dire que c'est les autres qui vont vous dire, ah, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et vous, vous laissez couler. Mais il est temps, en fait, d'enlever ce costume pour pouvoir être aussi acteur de votre vie pleinement. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir célébrer le mariage céleste. C'est-à-dire être dans une phase d'équité avec votre autre, que ce soit un partenaire au niveau du business ou un partenaire de vie. Et c'est comme cela qu'il va y avoir une équité de la polarité féminine et masculine. Parce qu'en chacun de nous, vous avez la polarité masculine et féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Un homme a autant de polarité féminine que de polarité masculine et vice-versa. Et du coup, dans ce mariage céleste, il y a la rencontre de l'homme et de la femme. Et regardez ce cercle qui est là ici. Et vous pouvez passer d'un état à un autre et il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de dualité. Tout est OK parce que tout sera organique. Mais pour cela, vous avez besoin d'être plus ancré parce que cette carte de la Terre est à l'envers. Vous avez besoin d'être plus ancré afin d'arrêter
d'être manipulés par les uns et les autres et que cela crée un frein pour votre prospérité ou votre fécondité. D'accord ? Écoutez votre guidance, ancrez-vous, allez marcher dans la nature, soyez moins au contact des autres qui vous fatiguent, qui vous vampirisent, qui vous disent quoi faire, mais allez au contact de la terre-mère, allez au contact de la terre, de la nature, de la forêt, etc., afin de vous poser et revenir au calme pour pouvoir vous centrer et vous écouter. D'accord ? On va voir avec le prisme oracle s'il y a d'autres éléments par rapport à votre, comment on appelle ça, votre prochaine mission. Et c'est pas des moindres, hein, cette mission, parce que créer une famille, féconder, donc avoir des enfants, etc., ça change tout, ça chamboule tout. Et c'est vraiment, du coup, une nouvelle mission pour vous, hein. En écoutant cette guidance et en acceptant ce qui est, tu vas pouvoir aller au succès de l'enfantement, de la fécondité. Mais il est temps de lâcher ce qui n'a plus besoin d'être, c'est-à-dire la manipulation, c'est-à-dire de prêter une oreille trop attentive aux autres parce que ça éteint ta magie. Tu as besoin d'espace pour toi-même. D'être à ton contact, d'être à ton propre rythme et de ne plus écouter les uns et les autres. D'avoir la foi en toi, de croire en toi, sur ce vent de prospérité et de fécondité que tu as en toi, que ce soit pour un projet ou pour une famille. Utilise ta magie. Aie foi en toi. Crois à ce qui est possible, même si tu juges pour le moment que c'est impossible. Ça parle vraiment d'amour, hein. Ça parle d'amour de soi, d'amour de l'autre et de construction. Donc c'est vraiment magnifique, mais le seul bémol, c'est vraiment l'entourage. Il est nécessaire de vous extraire de cela. Pour vous retrouver votre rythme, votre calme, votre guidance intérieure, vos intuitions et croire en vous. Ça a été un plaisir de faire cette guidance pour vous, mes chères belles âmes. Quelle magnifique mission qui s'ouvre à vous. Si ça a vibré, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet que vous retrouverez en lien sous la vidéo. Avant de prendre contact avec moi, merci infiniment de regarder mon site parce que vous aurez toutes les consultations thérapeutiques que je donne et qui sont en lien avec vos besoins. Ça peut aller de la lecture de l'âme, d'une guidance personnelle, d'une lecture des mémoires du corps, de consultations akashiques ou de communication animale. Vous aurez la durée, le tarif, comment ça se déroule, de quelles infos dont j'ai besoin et patati et patata. Et puis sinon j'enseigne également des enseignements spirituels sur mon Patreon que vous retrouverez également en dessous de la vidéo. C'est des vidéos en fait où je crée des contenus pour parler de beaucoup de choses comme de la polarité féminine masculine, comme de la peur, de la trop grande sensibilité que l'on peut avoir. Cela peut parler aussi des maladies, enfin voilà, de plein de choses. Et que dire d'autre? Eh bien, je crois que c'est déjà pas mal, mais avec le Patreon, oui, vous pouvez également me faire un don si vous le souhaitez. Voilà mes chers belles âmes, je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. Ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. Je vous dis à très bientôt mes chers belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour votre troisième guidance, votre troisième choix avec la carte oui pour quelle est votre prochaine mission. Donc oui avec Ganesh, eh bien nous allons voir ensemble déjà avec les archétypes pour voir quelle est votre prochaine mission.
Alors déjà, il y a une carte qui vient de 8. Voilà. On va prendre une seconde carte. Alors. Ok, celle-ci a sauté. Alors, il y a quelque chose au niveau, vous avez la carte Avenger qui parle de d'équilibrage, qui parle de justice, du sens de la justice et de ramener un équilibre. Et c'est comme si on vous disait lors de cette prochaine mission que vous allez pouvoir rééquilibrer les choses. Et peut-être que pour certaines personnes, il y en a certains qui sont très associés à Pluton, à la planète Pluton. Et Scorpion, le signe du Scorpion, où vraiment le nom est très présent. Et là, votre prochaine mission, ce sera justement d'aller explorer le oui pour aller dans un sens de l'équité, de rééquilibrage. Il y a vraiment cette balance-là à trouver chez vous et que vous allez trouver en disant oui à quelque chose dont vous n'avez peut-être pas encore conscience parce que vous avez dû prendre des responsabilités, vous avez dû apprendre à vous servir de votre tête plutôt que du reste. Et il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous et qui est de l'ordre de l'enfance magique, de l'enfant magique. Ça parle de l'enfant intérieur, ça parle de guidance intérieure, parce que quand on est tout le temps dans le non, on se refuse, on refuse. Et donc on n'est pas dans l'ouverture. Et l'enfant magique, c'est en lien avec l'ouverture, avec la magie, avec ce qui est plus grand que soi. Et on dit oui à cela, et c'est cela qui va rétablir la donne, la balance, l'équilibre chez vous dont vous avez besoin. Et quand vous allez aller vers cette mission-là, d'aller vers le oui, il y a des choses qui vont du coup pouvoir se transformer de façon tellement simple que peut-être vous vous direz plus tard, mais pourquoi j'ai pas dit oui plus tôt aux opportunités, c'est-à-dire que sans même vous en rendre compte, vous dites non en fait. Mais non, mais fallait pas. Est-ce que t'as le temps? Ben non, là, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Mais peut-être que, bah oui, mais vous commencez quand même par le non. Et ça, en fait, au niveau vibratoire, ça veut dire quelque chose, vous voyez? Alors. Bah oui, parce que jusqu'à présent, vous n'étiez pas dans le choix. Parce que si vous êtes toujours dans le non, en fait, vous ne choisissez pas en conscience. C'est comme un pattern, c'est comme dire bonjour, ça va. Donc du coup, on s'en sort pas. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas de variable, il n'y a pas de variante, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de surprise. On peut pas aller vers le oui comme ça. Et le oui, en conscience, ça vous permet d'avoir le choix et de vous libérer en fait de cet état d'esprit que vous aviez sans même vous en rendre compte que vous n'aviez pas le choix en fait. Non, j'ai pas le choix, je peux pas me permettre, j'ai pas assez de patati patata. Et en allant vers le oui, en vous offrant cela, vous allez pouvoir aller retrouver cette originalité que vous avez en vous, c'est-à-dire un être totalement différent et qui diffère de ce que vous avez été jusqu'à présent. Parce que au contact de votre enfant magique, eh bien forcément, il y a des choses qui vont changer. Votre nature profonde va résonner et à ce moment-là, il y a certaines personnes qui ne vont pas vous reconnaître forcément parce qu'on vous a vu d'une certaine manière et là vous allez mettre en exergue toute votre originalité, le fait de dire oui, le fait d'aborder les choses autrement, le fait d'être plus lumineux, le fait d'arrêter de refuser. Mais pour cela, il est nécessaire d'être concentré et de ne pas dire tout de suite le non. C'est pour ça que vous avez la bouche et qu'il y a quelque chose là, ici. Non, ne sors pas tes griffes, ne sors pas tes épées. Tourne 7 fois la bouche avant de parler et de dire non. Dis oui. Essaie d'apprendre à dire oui plutôt que de dire tout le temps non par habitude. Parce que parfois, vous allez dire non. C'est comme une habitude. Vous savez, il y a un truc dont je parlais quand j'étais comédienne, qui est que à chaque fois, par exemple, quand le metteur en scène demandait est-ce que ce serait possible de faire ci, de faire ça au régisseur lumière, la première réponse que vous avez au début avec un régisseur, il va dire non.
Non, par défense peut-être, de peur qu'on va lui demander quelque chose de très compliqué pour un petit projet et qu'il va lui demander 15 minutes de plus de temps que nécessaire, alors que pour lui, finalement, c'est pas si grave s'il n'y a pas cette lumière-là précisément. Donc, du coup, il y a ce truc, j'avais remarqué ça chez les régisseurs. D'abord non, et puis après on parlemente, et puis finalement ça devient oui. Et c'est comme un pattern, c'est non au départ, mais c'est pas non pour dire non, c'est juste non par habitude finalement, vous voyez? Donc, on vous demande de vous concentrer avant de parler. Tournez cette fois la bouche avant de parler. Concentrez-vous pour justement faire appel à cet enfant magique que vous avez en vous. Et qui lui, mais n'en a rien à secouer les patates des croyances limitantes. Pour lui, tout est accessible, tout est possible. Alors on vous dit oui. Et c'est cela en fait qui va t'aider vraiment à aller dans ta mission, ta prochaine mission. D'accord? On va voir aussi un petit peu avec l'oracle de la sagesse. Voilà, j'en ai une. On va prendre l'oracle bleu aussi. Voilà, il va y en avoir plusieurs. Très bien. Alors, paf, paf, paf et paf. C'est comme cela que tu vas apprendre. Et cette carte est à l'envers, by the book, avec les livres. Et vous voyez, en fait, c'est l'éléphant, il a une énorme sagesse. Il a aussi une mémoire d'éléphant. Et c'est comme cela que tu vas grandir dans le chemin de ta sagesse, dans le chemin de ta mission. Tu vas apprendre dans la matière, à te transformer et à devenir aussi grand, majestueux, sage et imposant que cet éléphant. C'est en apprenant à dire oui aux choses, à dire oui aux nouvelles opportunités sans avoir peur et donc d'asséner le non comme tu as l'habitude de le faire. Et comme cela, tu vas t'ouvrir à des festivités, à des opportunités nouvelles. À des choses nettement plus ludiques, tel l'enfant magique. On peut être un enfant magique et puis se servir d'une coupe de champagne et festoyer avec les uns et les autres. Et tant que tu dis non à ce genre d'opportunité, bah forcément, ça ne va pas arriver, hein, d'accord? Et alors, évidemment, pour toi, ça va être vraiment comme une révolution, ça veut dire tourner la page à cet être qui se refusait à exister pleinement dans la matière. Mais c'est aussi apprendre à accepter de faire le deuil et de passer à l'étape suivante et d'aller donc dans ta prochaine mission qui est celle de pouvoir dire oui aux opportunités, aux choses nouvelles qui peuvent arriver même si on peut avoir peur et ne pas se cantonner à ce que l'on connaît déjà, c'est-à-dire à refuser. Et ça, c'est vraiment d'accepter avec indulgence ce chemin. Parce que c'était ton chemin, parce que c'était ce qu'il y avait de juste pour toi afin que tu puisses acter les choses dans la matière et comprendre ce que le oui signifie, ce que le oui peut signifier. Et c'est quelque chose de totalement révolutionnaire parce que c'est comme si tu voyais, si tu avais vu le monde à 180 degrés et qu'en réalité le monde c'est à 360, donc tu vas pouvoir voir l'autre versant du monde et tu vas voir à quel point c'est merveilleux. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir aller dans ta maison, dans tes maisons, faire le lien, le pont, hein, le pont avec les autres et trouver, aspirer à être en communauté et non plus à être divisé. C'est pas divisé pour mieux régner, mais c'est justement être dans la sororité. Et c'est cela que tu vas apprendre dans le second chapitre de ta vie, dans ta mission nouvelle qui va vraiment différer du premier, où tu as pu aussi expérimenter le non au travers des personnes qui t'ont refusé à chaque fois. Ben justement, on va voir avec l'oracle de l'amour. Oh, on va prendre aussi une autre carte de l'oracle de l'amour. Qu'est-ce que va amener le oui pour toi, hein? Qu'est-ce que va amener le oui pour toi, c'est l'amour. Parce que tu mérites l'amour. Tu as toujours mérité l'amour et tu t'es toujours refusé. Tu as toujours saboté. Tu as toujours coupé les ponts. Tu mérites l'amour. Tu mérites d'aller dans l'amour de toi, tu mérites d'aller
dans l'amour avec l'autre. Tu mérites l'amour. Tu es digne d'être aimé. Tu as toujours été digne d'être aimé. Et tu as eu cette croyance limitante que tu ne pouvais pas être aimé, que tu ne pouvais pas être en couple, que tu ne pouvais pas vivre une histoire d'amour. Et c'est faux. Et on vous dit de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple. Pour ceux et celles qui ne sont pas en couple, du coup, cela veut dire travailler sur son couple intérieur. Parce que tant qu'on ne s'aime pas profondément, il va être difficile d'aimer l'autre ou de l'accepter tel qu'il est. Donc travaillez, continuez à travailler sur vous pour laisser une chance à votre relation future ou à cette relation que vous connaissez déjà. Ouais, et il y a une forme de déni, où, parce que ces deux cartes-là en fait sont à l'envers. Donc soit il y a des choses qui ne sont pas assez conscientisées, ou soit c'est de l'ordre du déni, ou soit c'est de l'ordre de la protection qui t'empêche finalement de faire couple profondément. Il y a toujours une part de toi qui s'échappe, qui a envie de s'enfuir, qui va créer le drame justement pour ne pas y aller. Et donc c'est vraiment de travailler sur son couple intérieur qui va t'aider à faire perdurer la relation qui déjà existe en toi, ou en tout cas de faire exister ce couple intérieur pour que cela puisse se matérialiser à l'extérieur, parce que tu mérites d'être aimé comme chacun et chacune d'entre nous. Nous méritons d'être aimés, nous méritons d'être en couple, nous méritons de partager, nous méritons de rire ensemble, nous méritons d'être épaulés et d'épauler, nous méritons tout cela. Parce que nous sommes des êtres de lumière et que nous ne sommes pas là pour vivre tout le temps en ermite et à refuser les choses de la vie, mais au contraire d'accéder à la jouissance de la vie et à s'incarner pleinement avec tout ce que cela comporte aussi, parfois d'émotions très fortes qui sont parfois difficiles et douloureuses à digérer. Mais cela fait partie en fait du contrat que tu as mis en place pour pouvoir rayonner et t'incarner ici-bas. Alors va vers l'amour, va vers le oui de toi, ose être qui tu es et ose aimer et être aimé, car tu mérites tout cela. C'est comme cela que tu vas pouvoir te rééquilibrer dans la matière et accepter ton incarnation, accepter ton histoire, accepter ce que tu as pu considérer comme des erreurs étant des expériences afin que tu puisses aller pleinement dans le oui. Toi seul verras à quel point il y a une grande force en toi qui émane lorsque tu es capable de dire oui avec amour et sagesse et à te laisser emporter par le tourbillon de la vie, car tu te seras reconnu dans le non avant de pouvoir te reconnaître dans le oui. Voilà mes chères belles âmes, ça a été vraiment un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. J'espère que cela a résonné pour vous, parce que c'est vraiment une étape très importante dans votre vie. Pour la suite, parce que ça peut amener tellement de choses nouvelles pour vous et puis vous allez vous redécouvrir et parfois on a besoin de ces polarités totalement inversées pour comprendre quel est le juste milieu et savoir dire oui et savoir dire non quand il le faut. Mais aujourd'hui on vous demande d'aller vers le oui et d'aller en conscience dans le oui et de tourner cette fois la langue avant de parler. Si vous avez tendance à dire en premier non ou je peux pas ou ah, je sais pas parce que, bah dites oui tout simplement et puis vous verrez bien, d'accord? Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. N'hésitez pas à aller voir mon site pour avoir toutes les informations avant de m'envoyer un mail pour prendre rendez-vous. Sur ce site, vous verrez toutes les consultations que je donne. Ça part de la lecture de l'âme à la lecture des mémoires du corps, aux consultations akashiques, aux guidances privées, à la communication animale. Et puis sinon, j'offre également des enseignements spirituels sur mon Patreon qui se trouve également
en description en dessous de la vidéo, où vous pouvez également me faire un don si vous le souhaitez. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort.